L'une des attractions du MoMA à Porto Novo, cette exposition d'œuvres photographiques qui met en lumière les femmes ayant marqué l'histoire du Dahomey à l'époque contemporaine. Rosine Viera Soglo, Marie-Cécile Zinsou, Kouburat Oseni, Isabelle Yakoubou, Marie-Élise Bédo, Angélique Kidjo, Géraldine Faladé, Noélie Yarigo, pour ne citer que ces braves dames aujourd'hui considérées comme des Amazones de leur époque. Le Centre africain des créations est allé puiser loin afin de révéler au monde toutes ces figures emblématiques. On voulait montrer qu'il y a eu des femmes au Bénin qui ont marqué, qui continuent toujours de marquer les mémoires. Parce qu'il est temps que nos jeunes générations aient des référents, puissent savoir qu'elles peuvent devenir demain des héroïnes de notre histoire. Reconnaître que nous avons pu impacter notre société à un moment donné de notre parcours, pourquoi pas? Il faut en être fier. Il n'y a pas à avoir honte et il n'y a pas à être intimidé par qui que ce soit. On vous traite de tout. Je me rappelle quand je suis devenue candidate, qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Mais aujourd'hui, on en parle très facilement. On pense que c'est ça l'avenir également de la femme. Et je dis bravo. Maintenant, il faudrait peut-être que la nation béninoise, le chef de l'État, le chef de l'exécutif, prennent la relève pour reconnaître ce mérite également à nous les femmes, dont on dit que nous avons pu impacter notre société et que l'histoire est obligée de nous marquer. L'histoire ne peut pas nous oublier. Ce qui me plaît, c'est que ça se passe dans un cadre féminin où jusqu'à présent, on n'a pas voulu penser que les femmes n'ont pas permis aux femmes de faire des choses et qu'elles sont en train de faire, et on le dit. Pour moi, c'est ensemble qu'on doit construire un pays. Au Bénin, on ne célèbre pas les gens de leur vivant. On attend qu'ils meurent pour les célébrer. Et pour une fois, un ange, je dirais, a parlé aux gens et ils sont venus, ils célèbrent les héroïnes. Et toutes les personnes qui viendront seront conduites par des guides qui leur expliqueront plus l'histoire de ces dames-là. Et ce sera ouvert tous les mardis de 14h jusqu'au vendredi à 18h. Pendant un mois, vous pourrez avoir l'exclusivité de revoir cette exposition-là. Pourquoi pas plus s'il y a beaucoup plus d'affluence. Les héroïnes en appellent à un système éducatif plus valorisant et que l'événement de ce jour puisse inspirer la nouvelle génération.